bonjour mes petits chats. Allons-nous. Alors, non. Ça faut montrer que ça déguste ouais, la attends, box. Nous sommes quand? Faut se présenter. Mais faut montrer que ça déguste la box. Ça, ça on est quand? On est le 13 octobre. Quel jour? Samedi. Quelle heure? 11h40. Voilà. Donc, mes petits chats, je viens de recevoir ma dégusta box du mois de octobre. Ben là, septembre, on l'avait filmé. Oui. Non, je sais pas. Je sais plus. Donc, ça, là, qui vous la présente. Donc, ah, il alors, ouvre. On ouvre. Attends, ça l'adresse. Ne t'inquiète pas, maman. Donne le ciseau. Je sais faire. Non. Tu fais comme ça quand. Ah, ok, vas-y, je vais faire. Attends, moi, je veux juste. Voilà, tiens. Voilà, comme ça, on voit plus rien. Tu pourras le tourner tous les sens. Sinon, comment allez-vous, mes petits chats? Moi, je suis encore bien déglaguée du dos, j'ai encore bien mal, là. Enfin, moins que d'habitude, mais j'ai encore mal. Cet après-midi, on va être à Port chercher des chaussettes de foot pour Alan. On va aller à Ziman pour acheter des caleçons et chaussettes. Et à Stokomani, voir pour un cadeau pour mon petit-fils, pour Liam. Allez. Alors, nous avons un calendrier de l'Avent pour Noël, je crois. Au lieu de 45,99 €, on l'a à 39,99 €. Si vous voulez prendre un calendrier de l'Avent de chez Degustabox, donc moi j'ai jamais pris et je ne prendrai pas parce que je me dis 40 €, il suffit que je suis déçue ou quoi. Enfin, on sait jamais quoi. Mais c'est une édition, donc calendrier de l'Avent, enfin disponible, précommande, d'une valeur totale de 66 €. Donc il y aura une valeur de 66 €, mais vous la paierez que 39,99 €. Voilà. Alors, ben, ça, donc là, c'est le thème. Faut dire le thème, Alan. Mais c'est le Halloween, c'est nul. Octobre rose. Alors, soirée canapé. Voilà, c'est le thème soirée canapé. Octobre rose, c'est le cancer du sein. C'est le cancer du sein, ils vont pas donner des trucs. Allez, c'est parti, mes kiki. Alors, nous avons des snackings. Alors, fais pas trop de bruit, Alan, parce qu'après c'est embêtant quand ils regardent la vidéo. Donc c'est des snackings, c'est même pas écrit en français. Comme ça, je vais regarder. Ah, les lunettes, j'ai oublié de prendre mes lunettes. C'est pas grave, je vais lire. Là. Donc c'est 1,99 €. Donc c'est des chips de Lomo. Je sais pas. Ça va pas l'air, on dirait comme de la même kebab. Écoutez, je sais pas. Je sais pas. Après, voilà. Nous avons des chips bizarres. C'est crème oignon. C'est un crème oignon. Et c'est la marque Belin. Belin. Alors, c'est des. Comme ça, on ne fait pas trop de bruit. Des Belin. Des Rolls goût crème et oignon. 1,95 €. Et c'est un sachet de 180 g. Bon, ça peut être pas mal. Voilà. Bon. Après, nous avons des. Donc, il y a deux paquets. Parce qu'il y a des moments, on a deux trucs par box. Ou ça, des moments, il y en a un. Donc là, il y en a deux. Oups. Après, nous avons des. Comment ça s'appelle déjà? Des World Delful. C'est des amandes. Ah, merci. C'est des amandes. Alors, attends. Que monsieur m'a donné les lunettes. Donc, c'est amandes nature 30 grammes. Découvrez les amandes nature Wonderful, de délicieuses amandes cultivées dans les vergers de la marque en Californie, riches en protéines et vitamines. Alan, tu devrais manger ça pour le sport et tout. Tu es au taquet pour l'école. Comme ça, le matin, tu vas à l'école en courant, dire youhou, je vais à l'école et je saute pour aller à l'école. Elles sont idéales pour un encore nutritif et sain. Les amandes, vous êtes en bon. Donc voilà. Après, nous avons pour Alan des magnifiques cadeaux. Donc, petit écolier, tendre cœur au lait. Bon, gâteaux, alors, 100, c'est 6 paquets, sans conservateur ni colorant, fabriqué en France.
pour le goûter de la semaine à l'âne. Donc ça sera à cacher comme d'hab et un par jour. Donc ça te fera 6 jours. Ah, il y a un truc pour papa. Alors attends, faut que je dise le prix. Donc 1,74€. Et je dis ça va, hein. Comme on dit, il faut faire les goûter soi-même. Mais je vous dis, vous regardez, vous comptez chocolat, les œufs, farine, l'électricité du four et tout. En fait, on dépense plus. Hein. Donc là, moi, je dis que c'est pas cher, quoi. Pour, il y en a 6. Regardez. 6 paquets. Voilà. Après, nous avons pour. L'unité. Après, nous avons Côte d'Or. Alors, c'est pour monsieur, va être content. Noisette, caramel, riz. Oh, riz croustillant. Papa, il est content. Moi, j'aime pas, vous voyez, c'est ça que je vous disais en live, j'aime pas quand il y a des morceaux et tout dedans. Oh, ça, j'ai jamais goûté. Moi, j'aime pas. Donc, c'est une plaquette de 170 grammes, ça coûte 2,99€. Ben, c'est cher par contre. Donc, c'est Côte d'Or, après, c'est normal, on va dire. Ah, oui. Également disponible en chocolat noir, amande, caramel, biscuit. Disponible en grande surface et moyenne surface. Voilà. Après, il y a un truc où j'ai envie de goûter là, je suis curieux, c'est du lait de coco. Oh, on l'a déjà eu. Non, celui-là, si, non. Si, si. Non. Je te dis que si, je l'ai donné à Alexia. Donc, c'est lait de coco premium saveur. Donc, c'est un petit contenant de... Parce que moi, je ne sais jamais quoi faire, moi, avec ça. Je ne sais pas comment... Oula. 200 millilitres. Je ne sais pas comment cuisiner ça, avec quoi... Ça, je sais pas. Plus de recettes sur Railtei. Railtei. Enfin, bref. Bah, c'est pas à boire comme ça. Non, hein. Bah, non, c'est pour faire à manger. Mais je sais pas, il est marqué lait de coco. Bah, oui, parfum saveur. Mais oui, mais c'est pour faire des recettes. Ah, bah, oui. Donc, il y a 85% d'extrait de noix de coco. Le lait de coco nanin au goût intense de coco sans additifs. Il s'utilise facilement dans les recettes au quotidien. Oh, pâte carbonara, quiche papillote, de poids. Ah, bah, voilà. Smoothie, crêpe. Ah, bon. Oh ouais, dans les crêpes, ça doit bah ouais, bien. Bah ouais. Oh, regardez pour les crêpes, ça. Bah ouais. Donc, 1,55€. Voilà. Après il y a un truc où, bah, je sais pas si ça est bon ou pas, c'est des petits trucs de pommes. Bah si, oui, tu mets dans la compote, c'est une compote de pommes, et ça, c'est des gains. Donc, c'est des valdane, pommes croques, purée sans sucre ajouté, granola ou fruits rouges. En fait, ça, c'est des granola, ah, tu ouais. mets dans ta compote, tu mélanges, et si, c'est bon, hein. Alors, je vais goûter ce soir. Voilà, ou à Noël, le soir après manger, tu peux manger. Donc, il met ça dedans. Ouais, et puis voilà. Ah, elle est grosse. Parce que monsieur fait voir ses box en même temps, il a reçu un colis. Alors, ça, alors attends. 2,19€ le pack de deux coupelles. Découvrez pommes croques, une une recette gourmande et saine associant le fondant d'une purée de pommes au croquant d'un délicieux. Croquant, c'est pour ça que je vous dis que ça va pas de faire des vidéos quand il y a monsieur et quand il y a Alan. Ça ne va pas. Mais j'ai fait voilà. Attends, mais la découpe. Alors, un pack de deux coupelles par box parmi ces trois recettes disponibles. Pommes et granola nature. Pommes, granola, fruits rouges. Nous, on a eu quoi? Pommes ou fruits rouges, nous, on a eu. Voilà. Après, c'est vraiment genre la découpe de box à papa. Après, il y a de la badoua. Oh là, toujours la bouteille. Non. Hein. Si, on l'a eu le mois dernier. Pamplemousse, badois, bulle, ben, elle n'est même pas là, je crois que c'est un cadeau parce que je ne l'ai pas dans mon truc. Ouais, c'est un cadeau parce que je ne l'ai pas. Parce qu'à des moments, ils vous mettent des cadeaux, vous savez, donc, parce que ça, je l'ai eu le mois dernier. Donc, c'est une badois, mais elle est excellente. Hein, sans colorant ni conservateur, pamplemousse et une touche de citron. Bouteille d'un litre, donc ça, vous le trouvez partout, hein, dans les commerces. Voilà. Après, il y a une sauce. Benedictus, sauce gourmet, 1,09€. Le pot de sauce gourmet au bleu. Ou de sauce gourmet ail et fines herbes. 1,49€ le pot de sauce gourmet au cèpre Porto. C'est quoi nous? Nous c'est... bon, je sais pas. Ah, attends là. Au milieu normalement. Bon, au milieu il n'y a rien, il est marqué gourmand, ail et fines herbes. Voilà. Ail et fines herbes, voilà. C'est ce qu'il disait. 1,89€ ça. Donc, ouais. 1€... C'est tout petit. Ouais. Nous c'est 1,49€ parce que c'est... C'est quoi déjà? C'est une herbe. Non, 1,09€ celui-là. Voilà, et c'est un contenant de 80 grammes. Benedicto. Hop. Bon, là, ça va faire un petit peu de bruit. Hein. Faut l'ouvrir. Il n'y a plus rien? Non. Carton vide. Après, c'est une sauce pesta. Pesto. Alors, c'est la marque
Saglo Pesto Rosso, 290 grammes, 4,69 €, c'est bien cher, arrête. Élaboré avec des tomates séchées, des feuilles de basilic, des pignons et des noix de cajou, cette recette se distingue par son goût, manqué par la puissance des tomates séchées, à l'opposé de son homologue vert. Enfin, bref. Donc, c'est bien cher. Voilà, mais elle doit être bonne. Ouais. Non, je le paye, je paye. Oui, mais quand tu payes avec les Dabox, ça, c'est tout ce qu'on a, c'est plus cher que la Dabox. Bah, écoute, regarde, comme là, ils disent, donc moi, je paye ma Dégustabox 15,99 €. Ah, bah, c'est obligé, c'est plus cher. Parce attends. Que, attends, et je donne 5 € de frais de livraison, quoi. Donc là, on va dire, alors les luches. Attends, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait comme ça. 10, 12. Ouais, elle est vers 16-17 €. Bah ouais, il n'y a pas. Plus là, on va dire 5. Et tout. 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Moi, je dirais 23, 24. Comme on a tout l'affiche avec tous les trucs. Et là, on a un bon de réduction sur les... Comme ça, si on... S'ils trouvent ça bon, Alan, je coupe le bon de réduction. Puis la prochaine fois, j'aurai moins 30 centimes. Donc, comme ça, ça coûte 2,19 €. Et ben moins 30 centimes. Et ben ça se prend. Alors, c'est bon ? 4,69 €. Alors, je vais te dire 1,74 €. 1,55 €. 1,99 €. 2,19 €. 1,85 €. 1,09 €. 2,99 € et 1,95 €. Nous sommes à 20,04 €. Ah, alors, ben, je gagne 5 €. Parce que moi, ah ouais, je la paye 15 €. Je crois que c'est 15,90 €. Je crois que je la paye. C'est rentable de ouf. Ouais, c'est rentable de ouf. Mais comme il y a des abonnés qui disent, eux, ça leur intéresse pas. Parce que forcément, peut-être qu'ils achèteraient pas ça. Ou tu vois ça. Mais nous, moi, je le fais justement parce qu'on a des trucs nouveaux et ça permet de goûter, en fait. Et comme ça, si ça, on aime bien, ben, je peux racheter, en fait. Comme ça, moi, je vais au magasin. Ça, je me dis non, je le prends pas. Là, on va, Alan va goûter. S'il trouve que c'est bon, ben, pourquoi pas lui racheter. Vous voyez, ça, pareil. C'est un truc que j'achèterai pas. Ça, si ça on, va être sec, par contre. Ouais, si on déguste, qu'on aime bien, pourquoi pas un apéro. Et puis c'est nouveau, c'est y a rien dedans, enfin il n'y a pas de cuite au four, c'est bah, cuit au four, même avec une soupe. Hein. Là déjà tout ce qu'on aime c'est sûr c'est la badoua, côte d'or. Ça oui, ça on a déjà fait, bon ça, ça on va aimer, ça à voir, ça c'est bon. Ça on va aimer. Ça ben, je le ferai parce que l'autre fois je l'avais donné à ma fille. Ça on aime. Ça oui, côte d'or, ça oui. Ça c'est à voir. Ça c'est à voir. Ça, ça c'est bon, ouais, même pas pour le travail ou quoi. Et ça, c'est à voir. Et les deux comme ça, ouais. En donc, fait, c'est à voir, c'est ça, ça et ça. Les trois trucs, les quatre trucs, on va dire. Voilà, ça, c'est à voir ce qu'on n'a jamais mangé. Voilà, voilà, mes petits chats. Donc, on va revoir Alan. Au revoir. Donc, on vous a présenté la Dégustabox du mois de octobre. Et puis, on se retrouvera le mois prochain pour la Dégustabox du mois de novembre. Donc, c'est thème soirée canapé. Donc, voilà, on va faire soirée canapé. Allez, on vous fait plein de gros gros bisous et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Dégustabox du mois de novembre. Bye bye!